John Grass DJ, je t'adore, t'es mon chouchou. John Grass DJ, je t'adore, t'es le meilleur. DJ Grass, tu fais ça bien. Montmartre, château de Versailles, une ou deux, trois semaines,
Et puis il rentre chez eux, exactement comme vous et moi. Ce n'est pas notre destination finale, la terre. Nous sommes qu'il n'est pas fâché. Donc, la mort viendra. Et j'aime, il est écrit dans Job 30, 23, la mort, c'est le rendez-vous de tous les vivants. Qui vous soyez, riche ou pauvre, blanc ou noir, grand ou quoi, c'est le rendez-vous. On peut manquer plusieurs rendez-vous. Surtout nous connaissons la France, Paris, tellement de grèves. Un grand rendez-vous de la moche, CDI, tout à 11h. Mais avec les trains, tu peux louper. Oui, j'ai 60 ans. Peut-être la femme que je voulais avoir dans ma vie, peut-être j'ai loupé. Au rendez-vous primaire fixé, je peux louper ce rendez-vous. De la femme de ta vie, le mari de ta vie. Pour avoir des visas, tu peux louper tout rendez-vous, mais sauf la mort. À savoir, la mort vous attend, la mort m'attend. Et question de nous préparer. Ne soyez pas surpris quand la mort vient. Donc il faut savoir se préparer. Parce que vous le voulez ou pas, nous allons la confronter. À moins que le Seigneur Jésus revienne. Nous sommes des chrétiens, donc nous croyons en Dieu, par Jésus-Christ. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand je finirai vous chercher un à un. Exactement. C'est le tour de notre papa. Donc moi, je dirais, on est venu pleurer et accompagner. Quand je fais une finirai, je dis, on est venu accompagner telle personne dans sa demeure. Donc, un jour viendra, le pasteur qui a prêché la nuit ne plus. Surtout, je me prépare. Hein. Je sais qu'un jour, j'y partirai. Je dis à ma femme, je dis à mes enfants, notre part, il faut savoir les préparer. Physiquement, la science d'essai, et puis mon âme, ça c'est pour aller me déposer au trou, en direct. Mais la science éternelle, c'est croire en Jésus, vous avez la vie. Donc la seule condition d'aller au paradis, avoir la vie éternelle, c'est croire en Dieu Tout-Puissant par Jésus-Christ. C'est un verset que nous connaissons, Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son fils unique, Jésus. Enfin, et quiconque, Américain, Chinois, Congolais, Vietnamien, quiconque, Dieu est tellement bon, miséricordieux, il a aimé tous les humains de la même manière. Il envoie son fils Jésus. Enfin, et quiconque croit en lui, vous voulez le paradis, la vie éternelle, c'est par Jésus. Il n'y a pas une autre chemin. Il est seul, la seule personne à avoir déclaré, je suis le chemin, la vie, la vérité, c'est Jésus. J'ai dit Bouddha, j'ai dit Platon, j'ai dit les grands philosophes. Aucune personne n'a déclaré. Est-ce que les grands fils, personne, c'est que Jésus a dit je suis la vie. De toute façon, pour vous pas la référence. Si on est le 16, je crois le 16 aujourd'hui, le 16 août, le 16 août, il n'a rien inventé. Et pourtant, il y a un physicien qui a créé la lumière, c'est qui a créé l'avion. Les grands mathématiciens physiciens ont créé, ont créé. Mais Jésus, il n'a rien créé, mais nous sommes les 16 août à partir de sa naissance. C'est lui la référence qu'il a. C'est juste une question de croire que Jésus est vraiment le médiateur. Donc nous sommes, la date que nous sommes, c'est à partir de la naissance de Jésus. Il a bousculé même les calendriers. Donc nous invitons tout échappé à prendre conscience. Donc, nous ne menons pas nos vies comme un hasard. Nous ne sommes pas des accidentés de la vie. Entre parenthèses, mais j'ai les proches de l'Église, je peux vous dire. Donc, nous les sommes, nous faisons la sémence, des millions de sémences que nous déposons à la femme. Des millions, mais juste une sémence qui féconde l'ovule de la femme pour que tu sois, pour que je sois fait que je sois. Vous n'êtes pas un accident de la vie. C'est dans le plan de Dieu que vous vivez la vie. Dieu a tout conçu, tout préparé. Il nous aime tellement qu'il nous a donné la vie par Jésus. Voilà, ce soir, nous gardons une pensée de recueillement pour la personne qui nous est chère. Ainsi, moi, il avait des plans. Je ne m'attendais pas qu'il avait 76 ans, il est encore cher. Il atteint quand même l'âge d'or. La Bible dit que le jour de l'homme sera de 70 à 80 pour les robustes. Quand vous atteignez 70 ans,
donc l'héritière de Dieu. Donc il a des étages que son âme se repose en paix. Consolation à la famille, aux amis et aux connaissances. Nous allons prier juste un moment de garder silence. Nous allons faire les deuils. Je vous demanderai, souvent nos lieux de deuil se transforment en lieu de politique, en lieu de sport. Non, on est venu pleurer. Après, nous parlerons de tout, politique, sport. Mais je vous demande seulement pour 30 secondes, en mémoire de la personne qui nous a quittés, de nous mettre debout. C'est une façon de pleurer avec la famille. Mettons-nous debout pour 30 secondes. Merci. C'est un moment de recueillement. Donc, nous venons de loin, de Paris, de Nanterre, des mots, parfois même des Grenoble. Quand je reçois le Congolais ici, parfois il vient de très très loin. On est venu pleurer. Et Dieu vous bénisse. Parce que nous avons accompli la parole de Dieu qui dit pleurer avec les faits qui pleurent. Vaut mieux aller dans une maison de deuil. Ça c'est la Bible. Donc parfois, refuse les invitations furtives. Mais pour les deuils, va même si tu ne t'as pas appelé. Mais souvent quand on t'a vu, tu dis pas, pourquoi tu ne vas pas appeler? Non, c'est pas. La Bible ne nous encourage pas d'aller danser et boire, mais plutôt de se rétrécir. Et il sera enterré, c'est le corps qui retournera à la terre. Trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. On enterre le corps, de la terre tu as été tiré, de la terre tu retourneras. Et l'âme, ça va passer au jugement. Merci. Prenons place, je vais prier. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il t'a plu de reprendre l'âme de notre papa, de notre frère, de notre ami, de notre cousin, grand frère, petit frère. Les jours où l'aîné, sa mère était toute contente, j'ai mis au monde un garçon. Les quartiers, les villages étaient dans la joie. La famille ne savait pas qu'il était un emprunt. Dieu avait emprunté à la famille. Voilà que tu as décidé maintenant, 76 ans plus tard, de reprendre ce qui est à toi. Nous nous soumettons à toi et nous respectons ta sentence. Mais ma prière en tant que ton serviteur, le vide créé par papa, le vide créé par l'ami, grand frère, petit frère, ô Dieu, je prie maintenant que ton esprit, le Saint-Esprit, qui s'appelle le consolateur, que le Saint-Esprit vienne consoler les âmes attristées. Le vide laissé par la personne disparaît. Que le Saint-Esprit, la personne de Jésus, vienne combler. Comble ce vide. Ce que papa n'a pas pu faire, que toi, Dieu, tu le fasses, tu le combles. Je recommande la famille en tes saintes mains. Que ta main puissante repose sur les enfants. Que le Dieu qui console, le Dieu qui protège, je prie pour la protection divine, Père. Papa n'est plus là. Parfois, les méchants peuvent s'élever. Je prie en tant que ton serviteur que la main puissante de Dieu par Jésus de Nazareth protège ses enfants, ses petits-enfants il y a. Que ses enfants soient invisibles au monde des ténèbres. Je me lève contre toute sorcellerie. Je me lève, oh Dieu, contre tout complot du monde des ténèbres. Seigneur, oh Dieu, que ta grâce s'abonde. Merci. Nous recommandons la soirée en tes saintes mains. Nous voulons rester dans des moments de recueillement. Seigneur, merci parce que tu l'as pris. Ainsi va la vie. Console une âme qui pleure. Console ceux qui sont venus. Ils sont venus pleurer et que tu assistes, Père, loin de ces liens, au règlement des comptes. Même ils sont venus, ils rentreront chacun chez soi, sans accident, sans incident. Je nulle tout accident sur les chemins de retour. Bénis la famille. Bénis toute personne, à part notre Dieu la gloire, au siècle des siècles, nous disons tous Amen. Merci. Amen.
Oh,
Demo, 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 demo
Thank you.
Yeah.
Alléluia. Alors, nous nous sommes là, nous convient de pour Kilendo, les papas et les mamans, de nous excuser. Alors, mon père cousin dans la Gikongo, maman, la maman va interpréter en français, même si tu n'as pas de frapper de bruit. Alors, merci de m'avoir apporté la parole. Nous avons besoin de la combinaison pour tout le monde. Je parle au nom du Seigneur. Et tout le monde, ce qui est là, nous sommes, nous tous qui sommes ici. Et tout le monde, nous savons que nous sommes ici. Nous savons que nous sommes ici. Nous savons que nous sommes ici. C'est un problème de tristesse, une mort, un décès qui nous a emmené ici. Alors, diambu ya kiadi ni diambu ya luvava ni diambu ya séparation. Séparation que les qui m'amusi yambote be. La séparation n'est pas une bonne chose. La couvanda na kachamakanda même contre nos enfants. Moi, la mikwe na tana makwela. La séparation n'a jamais été une bonne chose, même quand il s'agit de mariage et que nos enfants vont dans leur foyer, les parents toujours on va dire un grain dans le cœur. Alors niina samuna diambuya ya kiadi. C'est pour ça, pour ce décès. Nous n'avons ni or ni argent à donner à la famille. Mais comme nous sommes les enfants de Dieu, nous avons amené ici que la parole de Dieu pour les fortifier. Alors, nous avons remarqué que montrer la poussée de la musique, nous avons tout le monde. Mais nous avons ici que nous avons tout le de base de Ngunza. Vous avez remarqué que le Didier a arrêté la musique et a annoncé que c'est le tour des Ngunza. Mais de base, nous ne sommes pas Ngunza. Tous ici, nous sommes enfants de Dieu. C'est pourquoi nous allons tous vous demander de chanter, parce que nous allons interpréter des chansons que tout le monde connaît pour que nous soyons tous les accompagnants de ceux qui sont éprouvés. Nous allons tous vous demander de vous lever respectueusement afin de commencer et d'ouvrir notre culte. Alors nous allons dire notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de vie. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous tous qui sommes ici savons que nous avons péché en pensée, en parole, par action et par omission. C'est pour ça qu'en cet instant, nous allons vous demander de tous prendre une minute de silence pour, on va dire, confesser vos péchés à l'intérieur de vous pour qu'après ce moment soit léger et que le culte se passe bien. Nous allons donc chanter une chanson afin de nous préparer. Que tu l'ombres, toi, gaie, fou, mou.
Nous allons maintenant prendre notre minute de silence. Maintenant, nous allons demander à Papa Biloye de continuer le culte. Yebo Kembo kwata tanzandia mfungu lelo. Yebo Kembo kwamfuma chiwa kivukisi. Benda kwa kuna mbema, tukuli nzana. Kuna mafwa, bemo yobo bateke la kuna mafwa, bemo yobo. Kuna mafwa, bemo yobo bateke la kuna mafwa, bemo yobo. Kuna mafwa, bemo yobo bateke. Una ma qua de moyo una ma qua de moyo va te che la una ma qua de moyo ora te semo una che na de moyo ora muste to una che na de moyo una ma qua de moyo va te che la una ma qua de moyo una ma qua de moyo va te che la una ma qua de moyo como macho guapo na che na de moyo va che va di da una che na de moyo ta 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 che una che na de moyo Nous allons demander à une membre de la famille de nous ouvrir la prière. Beto, mukongo ya
Bika kutasa kumuna yani takuenda
Sakumunumbe la cotam beto. Bikabutana munayandi, beto petuva bela, o belo pointim. Nandi, aje beto tushiri, asala bebu poti. Kani kolokabo bingigo, bungu bebe ni begatila potigo. Shinjila narandi, asakuba narandi. Ndombele mukungwa benova tatuma ndongo. Enkasukudu. Echa. Enkasukudu. Echa. Enkasukudu. Echa. Tukondire nzala. Dile ya ya, toa dile no batata, toa dile no ba mama, toa dile no mulu samulu. Dile ya ya ya, dile. Papa, tu peux dire merci, papa. La circonstance pour le papa et comme les bisous dans le courant de le papa. Tu sais que bon, ça, papa, la bisous. Papa, après, je vais vous dire, papa, je vais vous aider. Les lots, tu vas te rendre compte de ce que tu as. Nadina, fais-tu, oh, yo, y a les rois. Il y a des choses qui sont très importantes. Mais quand on a un tempo, on a un oyo, on a lelo. Papa, on a un oyo. On a un peu de longo. Et toi, tu es un et tu es un peu de temps. On a un peu de longo. Amen. 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 Thank you.
mata kuti zvirevi vachito koma mane Sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Aïe,
C'est bien de respirer. Vous comprenez? Non, ne t'inquiète pas, on ne se pose pas la question. Madame Zambi, alléluia. Alléluia. On se dit que c'est normal. C'est normal que je sois en vie. C'est normal parce qu'on est exceptionnel. Vous comprenez? C'est normal, on est en train de prêcher la parole, on est en train de discuter, on s'en fout parce qu'on respire. Alléluia. Mais dans des moments comme ça, les papas et les mamans, je vous dis, peut-être vous n'avez pas fait un tour à l'hôpital. Tu vois, Manel? C'est bien de mettre les westerns, c'est bien de mettre les chapeaux, c'est bien les costumes, c'est bien. Les costumes aussi. Oui, oui, tout comme Manet, c'est pour ça que je suis là. Tout comme Manet. Parce que j'en suis conscient, c'est pour ça que je suis là. Si moi je ne serais pas là. Madame Zambi, alléluia. Alléluia. Madame Zambi, alléluia. Alléluia. Tout comme Manet. Alors, la parole de Dieu d'aujourd'hui nous dit que notre vie est sans espérance. Elle dit qu'aujourd'hui, tu peux aller nous prêcher dans le domaine si tu ne le mets pas. Tout comme Manet. Moi, je vais vous donner un exemple. Ça fait 6 mois en arrière, j'avais un collègue qui travaillait avec moi. Le vendredi, on était au travail, en train de s'amuser, en train de fêter l'anniversaire d'un collègue. On se dit, à lundi, on s'est bien amusé, je voulais champagne, on s'est amusé. Et le lundi, le vendredi, samedi, elle est partie chez elle. Le lundi, on se retrouve au travail le matin quand je rentre, mon responsable me dit, Carissi, tu sais, Geneviève n'est pas là. Elle ne sait pas l'oublier. Je dis, comment ça? Moi, je me disais qu'elle ne sait pas l'oublier, elle va être en retard, ou voilà. Il me dit que tu n'as pas compris ce que je t'ai dit. Elle ne sait pas l'oublier. Tu vois, Manet? Vendredi, on était ensemble en train de fêter. Mais le même jour, c'est-à-dire que la même nuit de vendredi, quand on s'est séparés, le lendemain, elle ne s'est pas réveillée. Mais pourtant, elle était en forme. Pourtant, elle était en bonne santé. Madame, alléluia. La parole d'aujourd'hui, ce n'est pas pour papa. Parce que lui, il est déjà parti. Nous, le gardien, on vient de nous dire que Beno le Chirico, il faut faire attention. Parce que moi, là où je suis bien. Tu vois, Mané? Tu vois, Mané? Alors. C'est l'histoire de Jésus quand il arrive, il voit le figuier à chaque fois quand il passait, il voyait le figuier. Le figuier ne donnait jamais de fruits. Il dit, oh. Et à chaque fois que je passe devant cet arbre-là, il n'y a jamais eu de fruits. Parce que comme par hasard, j'ai toujours eu faim. Tu vois, Mané? Comme par hasard, j'ai toujours eu faim. Mais quand j'arrive devant cet arbre-là, il n'y a pas de fruits. Il dit, il demande à son serviteur, il dit, mais qu'est-ce que ce arbre-là fout là? Il faut l'arracher parce qu'il occupe la place pour rien. Tu vois, Manet? Et le jardinier, quand il arrive, il dit quoi? Il fait que non, mais chef, laisse, je veux continuer à arroser. Je veux continuer à arroser peut-être l'année prochaine ou les jours à venir, il va donner du fruit. Tu vois, Manet? Alors, avec le diable, il y a un amour. Aujourd'hui, on est en train d'arroser pour que nous produisions le fruit à Mbote. Sans vous dire attendre, que ça ait grâce d'Aka. Parce que Dieu a donné la grâce à cet arbre-là. Le jardin a dit que je vais arroser pour que le lendemain, dans les bouts à Mbote, il y a Mbote. Vous comprenez?
retourne, il voit l'ambulance qui est en train de passer. Il dit, Seigneur, je n'ai pas de quoi avaler, mais au moins je suis en bonne santé. Je ne suis pas comme ce malade-là qui est en train de passer dans l'ambulance. Madame Zambi, alléluia. Le malade dans l'ambulance arrive à l'hôpital. Madame Zambi, alléluia. On ne se rend pas compte de la grâce qu'on a. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Quand je dis qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a, il y en a qui sont en train de mourir. Toi, Manel. Le malade arrive, moi, brancard, il y a cadavre. Il dit que Seigneur, je suis malade. Bien que je sois malade, mais je suis encore en vie. Je ne suis pas comme ce cadavre-là. Il va t'avoir tout là pour la mort. Tu comprends? Il n'y a que le mort qui n'ont plus le temps de dire merci. Alors les papas et les mamans, on a encore le temps. On a encore le temps, profitons de ce moment-là. Tu comprends? On a encore le temps, profitons. Parce que papa, il a envie de venir nous dire que Benou la Tiriko, vous qui êtes encore là-bas, Vilukeno, Sobeno, parce que ça vient quand même. Et profitons de cette parole.
Et si Kabiso se trouve dans la catamite, on s'en met au temps à la commune, on s'en met au temps à la commune.
yango nzambe tokotika libota nyonso esi kotika na kati maboko na yo papa tokotika matekolo nyonso na kati maboko na yo nkolo yo sila kotia bango na kati ya singa oyenge zola tata nzambi makambo ya mabe yela bango na nsima te tata makanisi ya yekoyeko ekomela bango te nkolo tia bango na kati ya ekaku na kimpembe na minito nzambe o nzambe boma bango lokolosa koboma bana soso abomaka bana nena sema papu na ye tata ye akende mpe na kimia na yo nzambe o asila kosala kati ya mokili o nzambe yo oyebi yo oyebi papa mpo oyebike nyonso ezali ya yo papa yango nzambe na kati ya ekuki o nzambe moto nyonso aza na kati ya esika o nzambe toyebi kotika ye na kati ya maboko na yo papa o nyonso asila kofungola mato mpo asila koyoka maloba na yo papa totiki nyonso na kati maboko na yo bato misusu baye kokotela kati yawa bale bameli basali nyonso bakoya kosala tata na nkombo na yo papa tika ke kaka ekaku na kimpembe na minito tata nzambe ezila kozinga bino biso nyonso ndenge tozala kati ya esiko nkolo mpo te nkombo na biso ekele epai babino bao bosili kokele liboso na biso papa mpo toyesi kokanga ekuki oyo na nkombo na yo tama mpontu lelo enkasukulu 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 na kwetu tuyaurila tata mumpatizali na kwanjili yaurila atalakadimeniko na kwanjili yaurile na kwanjili yaurile tata mumpatizali na kwanjili yaurila atalakadimeniko na kwanjili yaurile ibundu lya balongo ke nkembo ku nzambe ya mpungutu lendo nkembo ku mfumu matsu wetu bvukisi nkembo ku bakulu betu babo banunga bekwaku na mpemba tukundile nzambe yaka yaka nzambe ya mpungutu lendo ebani betu tukushila kani na minu nzambe ya mpungutu lendo ebani betu tukutumamana nzambe ya mpungutu lendo ebani betu tukuchila ntango za zasuni mfumu nge tutambika mutotonchi inge vutukututambila ubungu ntangu ifweni ya tata Marcel imutele mbila mfumu kutala andu kwambika shisa mutotonchi tala kwambutandi yika wantingila mbuka ya nkachika mbuka ubungu tata bubu tutazonza ya ndi wakanzonchi ameso matata nzambi ya mfungu tulendo wakanzonchi muka andari andi mika shishiri nyaze hili mfumu ubungu ninge tukozaka nyebaku mchima wa mungu nzambi ya mpungu tulendo kanikoloka hapa fuingiko mbinguri boba hapa suni be muka andari andi batekila vika la mpwana la mwana nkachika mbuka ngachi boba shiri kumanima ya andike bakele mkumu kwa beno batutuba longo tusambiri tulombiri enkasukulu 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 tukundire nzambe yaka yaka nikasalire ntoto mingi munu yaito Tu vas la bawindi do lo ngeta
Tata Nzambi, bani beto tukuleke langa minu, bani beto tusanga vuvu mungeye, bani beto tadiyampana monsamu haku. Matondo diaka tufutulika wenangeye Nzambi ya mpungu tulendo, mungungu ya mfumu machua, tuzololo mfumu Nzambi watambula muta Marcel kati ya malu maku. Mpasi Tata Nzambi, mwela ndi watambula uo. Mpasi wakala nzonzi, mkongu ya ntotela. Mpasi wakala nzonzi, mkanda ya mzima di kamenishisa. Mungungu ya Tata Nzambi ya mkungu tulendo, tumusongele evana ya mungu maku. Tala Tata Nzambi bala babo, sono badweki ya katila ufuma kia uki. Bijili musonga ntoko, ye mfuatu teka yesu mbako, kari bijili kwa wunange ye Nzambi. Mubijili ingi babonsono, Tata Marcel wakalankeri mubeto beto babonsono, butuijili kutunavutu kila kondo kwa mambi, ye kondo kwa matesa kwa. Tata Nzambi, bika wakeba mosi mosi mubeto, mpasi mvutu kulu ya bea mwoko maku mbonso kutukebe lenge mungu izu weto wakati ya fuma kiaki. Nzambi tuletu wakalini mwosiko. Mfumu wachua tekila matu watani na babo tata yetu Nzambi wa minukuiza. Nabe na mubisengu mikondolo makutu ye meso. Bika mfumu Nzambi mpungu watani na mbonso kwenye lutumu na luzolo lwako. Tukuto ndele mwamoso na mavengi ya katidi yetu. Wabu idiawu tuena kuyimila mfumu zangu le koko kwa kuko koko kwa lusakulu mfumu zangu mfumu zangu le koko kwa kuko koko kwa lusakulu mfumu zangu mfumu zangu le koko kwa kuko koko kwa lusakulu mfumu zangu mfumu zangu le Yes, sir.
tata metishisa ninsa yene tukubungu lufoka nchukuni wazingwa veto niko tata jibundu jeto lufoka nchukuni wazingwa changu tutere mbisa mbuchi tata Marcel kabanzu njito mukanda namu mbisa za Kongo mbunguwe na mwishi Kongo mbubishi kima turi rubote turutamu sambu chibu bakala bakala rubote kanidi amburi mwishida ribika riba zambi katambula mwelandi kamfambu kila mwoyo kanimu mbote ina ikashiri vanga wabantu matondo mamingi mbungu chisambu nukati chisambu chitomene ninsayi kwa yenete mbungu mitobansu yutu beleba yanga matondo le grand frère qui est dit en paix, son âme se repose en paix, je n'ai pas autre chose à dire. Donc on a dit. Moi, bon, la famille Boukaka, je reprends la famille Boukaka du côté Bétoukou, du côté, côté maternel, puisque grand frère, moi, je suis atteint au direct, donc, qui est du côté bien, je le rencontre, c'est ce que j'ai à dire.